Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Que Dieu vous fortifie tous. Je m'excuse. Cette vidéo n'était pas prévue. Mais il y a un problème très sérieux. Ça fait un an de cela. Le Seigneur... Can you give me... Give me my Bible right there, please. Thank you. Le Seigneur m'avait donné un message de ma famille de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, et Dieu a dit que il faut que ma famille, tous les membres de ma famille se repentent, qu'ils donnent leur vie à Dieu. Et que ma famille était piégée. Que c'est pourquoi tout le monde meurt. Nos soeurs, nos frères meurent. Le Seigneur dit que la comédie que nos frères font, que les comédiens iront en enfer. Tous ceux qui font la comédie iront en enfer. Please, can you turn the music a little bit down for me? Just a little bit down. Ma famille, si vous zappez les vidéos qui sont sur YouTube, vous allez voir que j'ai fait la vidéo de ma famille il y a un an de cela. Mes frères et sœurs, l'Éternel m'a mis à cœur de faire cette vidéo-là rapidement. Les détails sont là-bas. Si vous pouvez voir la vidéo de ma famille pour distribuer ça, vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que là, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous dire ça rapidement pour partager la vidéo. La vidéo en question qui est déjà sur YouTube. Parce que là, je n'ai rien prévu. Dieu a dit qu'on soit loin des comédies, qu'on soit loin des mensonges, qu'on soit loin. Je ne dis pas qu'il mente, mais Dieu dit que celui qui joue la comédie pour faire rire à l'autre, tout ce que tu fais là, ça n'agrée pas, ça ne... Oh Saint-Esprit, rappelle-moi s'il te plaît. Ça n'édifie point, merci Seigneur. La comédie, c'est un péché, Dieu a dit. Alors bref, allez-y sur, si je vous en prie, allez-y sur mon truc. Sur les... Vous allez voir les vidéos complètement en bas. Vous allez voir ma famille. Le Seigneur veut que ma famille se repente. Que les gens meurent. Tous ceux qui meurent, Dieu dit, ils sont tués par l'ennemi. Ma famille est piégée. C'est pour ça que nos frères et sœurs sont morts. Beaucoup sont morts. Et il y a d'autres. Ça ne va pas chez eux, Dieu a dit. Alléluia. Merci Seigneur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Dieu veut que vous arrêtez cette comédie de ma famille là. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Cela ne vient pas de moi. Allez-y. Ça fait un an de cela que Dieu a donné ce message là. Que les gens arrêtent. Tous ceux qui jouent la comédie n'ont qu'à arrêter la comédie. Frères et sœurs, le Saint-Esprit m'avait donné. Seigneur, rappelle-moi s'il te plaît. Éphésiens 4, 29. Amen. Et Éphésiens 5. Merci Seigneur. S'il vous plaît, permettez-moi d'aller sur. Parce que là, je viens du travail rapidement. Je n'avais pas prévu ça. Mais si vous allez, si vous lisez, parce que je ne peux pas lire tout ça là. Le Saint-Esprit vient de me donner ça. Je vais vérifier. Elle dit Éphésiens 4. 29. Merci Seigneur. Éphésiens 4, 29. Dit quoi? Éphésiens 4. Ok. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification
et communique une grâce à ceux qui l'entendent, a dit l'Éternel. Maintenant, il m'a dit aussi Éphésiens 5, 4 nous dit, je lis la parole de l'Éternel rapidement, qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce, a dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, si vous écoutez la vidéo que j'avais mise sur YouTube il y a longtemps de cela, Dieu m'avait montré. Saint-Esprit, rappelle-moi rapidement, s'il te plaît, pour ne pas que je mente. Dieu, le Saint-Esprit m'avait montré dans une vision, ma famille, j'avais vu à moi qui parlait avec quelqu'un. Et quand je regardais à moi parler, je regardais à moi ses lèvres murmuraient. Elle avait comme l'impression qu'elle parlait avec la personne, avec quelqu'un. Mais derrière à moi, il y avait un gros serpent, frères et sœurs. Il y avait un gros serpent qui blasphémait. Et j'ai dit, mais alléluia. Comment tu sors? Alléluia. 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 Mais merci Seigneur. Le serpent avait commencé à blasphémer. Puis j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit m'a dit que la comédie que les gens font là, c'est piégé, c'est le diable. Le diable qui a mis les gens à cœur de faire la comédie dans ce monde entier. C'est pas ma famille seulement, hein, mais Dieu m'avait montré ma famille pour que je dise à ma famille, comme moi je suis de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dieu dit que c'est l'ennemi qui utilise les gens à faire la comédie, à mentir, à injurier, à dire du n'importe quoi, des gros mots. Et tout ce que nous disons là, cela nous condamne et ça nous amène en enfer. Pour ceux qui ne se repentent pas, Dieu avait dit, alléluia. Donc je vous demande pardon, frères et sœurs. Je viens du boulot, j'ai me reposer, mais le Saint-Esprit m'a dit de dire ça, donc je dis ça rapidement. Propager, que ma famille arrête. S'ils peuvent faire autre chose, qu'ils fassent autre chose. Mais la comédie, Dieu dit non. Ceux qui font des films là, c'est pour ça qu'il nous a dit de ne pas regarder la télévision. Parce que quand tu regardes la télévision, même quand tu vas au cinéma, les films que nous regardons, tout ce que les gens disent là, c'est pas vrai. C'est des choses fabriquées. Et c'est du mensonge. Et cela nous amène en enfer. Vous avez compris, frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, il me permettra de faire autre chose. Mais comme je viens du boulot, je vous aime beaucoup. Je vais me reposer un peu. I love you guys. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.